Europe 1, Ondelatte raconte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui est là, en face de moi, l'histoire de Hinda Ayari. Et j'en profite pour vous saluer, Madame Ayari. Approchez-vous du micro, comme ça on vous entendra mieux. Bonjour. Bonjour. Évidemment, votre nom dit sans doute quelque chose à ceux qui nous écoutent. C'est vous qui, la première, avez porté plainte pour viol contre l'intellectuel musulman Tariq Ramadan. Ça ne sera pas le sujet de notre récit. Nous avons convenu de ne pas évoquer l'affaire qui fait actuellement l'objet d'une enquête et nous nous en tiendrons là. Je tiendrai parole là-dessus. Ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est une page de votre vie que j'ai tirée du livre que vous avez publié, « J'ai choisi d'être libre », paru il y a 2 ans chez Flammarion, et qu'on retrouve désormais d'ailleurs en livre de poche dans la collection « J'ai lu ». C'est l'histoire d'une jeune étudiante en psycho qui se met à porter le voile, qui épouse un salafiste sans trop savoir où elle met les pieds, et ça, elle va vite le comprendre. La voici donc cette histoire, Hinda rescapée du salafisme, que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebras. Ondelatte raconte sur Europe 1. Cette histoire commence à l'été 1997, quand Hinda et sa maman, comme tous les étés, rentrent au bled pour les vacances, à Boumel, près de Tunis. La mère est de là, de Boumel. Elle a divorcé et après cette vie de migrante en France, cette vie de sacrifice, elle veut rentrer chez elle. Ça va se faire là, dans les mois qui viennent, petit à petit. Et ce qui la rassure, c'est que Hinda est grande maintenant et autonome. Elle a 20 ans, elle est inscrite à la fac de psycho de Rouen à la rentrée. Et en plus, elle va pouvoir garder le HLM à Canteleu, près de Rouen, pour elle toute seule. Elle va pouvoir jouer les princesses. Mais bon, en attendant, la voilà donc à Boumel pour les vacances au bled. Ce qu'elle ne sait pas, Hinda, quand elle déballe sa valise dans la maison familiale de Boumel, c'est que sa mère a un plan qu'elle ne tarde pas à lui révéler. Hinda, viens voir là. J'ai prévu de te faire rencontrer un garçon. C'est un bon parti, tu vas voir. Eh bien, vous savez quoi ? Hinda ne moufte pas. Elle est d'accord. Et fin juillet, la mama lui présente un beau jeune homme. Vraiment d'ailleurs. Et avec ça, étudiant en droit qui veut devenir avocat. Pas mal. Maman, bah t'as raison. Hein. Il me plaît bien, oui, mais écoute, un garçon comme lui doit attendre d'une femme qu'elle soit cultivée. Alors je pense que pour lui faire honneur, je devrais continuer mes études. Qu'est-ce que t'en penses ? Ici, en Tunisie ? La maman jubile. Alors il faut lui trouver très vite une place à la fac de Tunis pour la rentrée. Mais pour ça, faut des papiers. Le diplôme du bac, par exemple, qui dort dans un dossier à Canteleu, près de Rouen. Donc elles rentrent en France toutes les deux pour aller chercher la paperasse. Et là, patatras, Hinda abat son jeu. Maman, je ne retournerai pas en Tunisie avec toi. Je ne vais pas me marier là-bas, t'entends ? Et la mère repart seule en Tunisie, très en colère. Tu vas finir comme une débauchée, ma fille. Débauchée, ça n'est pas vraiment comme ça que les choses vont se passer. Et d'ailleurs, est-ce que ça n'est pas pour faire mentir sa mère que Hinda va se lancer dans la folle aventure qui va suivre ? Allez savoir. À la rentrée, la voilà donc en psycho à Rouen. Et là, Hinda va tomber sur 4 étudiantes musulmanes, très pieuses, qui portent le voile et qui vont comme l'aimanter. Et la voilà donc qui va à la mosquée une fois par semaine. Et en avril, 7 mois après la rentrée, 7 mois après avoir planté le projet de sa maman qui voulait la marier au bled, elle arrive en cours avec le voile. Elle trouve que ça la magnifie. Elle se sent auréolée de pureté et avec un fort sentiment d'appartenir à une communauté.
Et d'ailleurs, à Canteleu, les gars de la cité ne lui parlent plus comme avant. Salam alaikum. Respect, ma sœur. Quelques semaines plus tard, en mai, Enda est invitée par une de ses copines voilées chez une certaine Asnia, en banlieue parisienne à Mantes-la-Jolie. 24 ans, physiquement Dark Vador, voilée de la tête aux pieds, et qui pendant des heures lui bourre le mou. Tu penses être une bonne musulmane ? Mais tu t'égares, Enda. Le vrai islam, c'est le salafisme. Le salafisme ? Ben oui, on doit marcher sur les pas du prophète. Les hommes doivent tout faire comme lui, et nous, les femmes, nous devons ressembler aux femmes du prophète. Elle est venue nous chercher à la gare en conduisant avec son niqab. Elle m'a expliqué que c'était ça le vrai islam. Elle m'a expliqué ce que c'était le salafisme, et qu'une femme musulmane, elle doit porter le niqab. Donc elle a passé toute la nuit à discuter, enfin, elle m'a fait entre guillemets un sorte de lavage de cerveau. Et là, Enda rentre chez elle à Canteleu, le cerveau tout retourné, et son téléphone sonne. Allô ? Enda ? Oui ? Salam alaikum, ma sœur. Je m'appelle Bachir. C'est Asnia qui m'a donné ton numéro. Tu vois, Asnia de Mantes-la-Jolie. Elle m'a dit que tu portais le voile. Mashallah. Et Bachir ne tourne pas autour du pot. Voilà. J'habite à Rouen. Et je t'appelle parce que je cherche à me marier avec une musulmane d'origine tunisienne qui porte le voile. Décidément, on veut la marier par les temps qui courent. Bachir a tout prévu. Il propose une rencontre la semaine prochaine. Ça tombe bien, il a des amis à Canteleu, tout près de chez elle. Ça se passera chez eux. Ils serviront conformément aux règles de l'islam de témoins. Enda n'est pas très emballée. Ça ne t'engage à rien, ma sœur. On fait juste connaissance, c'est tout. Et après, tu décides. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Elle accepte et ils se rencontrent. Lui, il a le coup de foudre tout de suite. Et elle le trouve beau mec, pour commencer. Certes, un peu rétrograde sur la place des femmes dans le couple, mais protecteur. Et ça lui plaît bien, protecteur. Et en plus, il gagne correctement sa vie, il est vendeur dans une boutique d'informatique. Pourquoi pas ? Mais elle demande quand même à réfléchir. Car pour l'instant, elle a un autre objectif. Se réconcilier avec sa maman. Et donc elle s'envole pour 2 mois en Tunisie. Elle est arrivée au bled depuis quelques jours. Et qui débarque ? Bachir ! Il est motivé, le garçon. Il est venu la relancer. Il veut l'épouser. Et elle dit oui. Et ils se marient à Boumel le 24 août. Tout le village est là. Et dans la grande tradition tunisienne, ça chante, ça danse et ça Bachir. Ça ne lui plaît pas trop. Danser, c'est haram. Danser, c'est péché. Europe 1, on de la traconte. Et juste après, les voilà donc de retour en France. Enda, au passage, n'a pas validé sa première année de psycho. Et voilà donc le plan de Bachir. On passe à Canteleu, récupérer quelques affaires, des livres, des cassettes, des disques. Et ensuite, on va à Rouen, où il a trouvé un appartement. Mais avant, on fait un petit crochet par Paris pour faire quelques emplettes. C'est-à-dire pour acheter des gilbabs. Autrement dit, des niqabs. Il ne supportait pas qu'on voit mes sourcils, donc il fallait aussi que je cache mes sourcils. Il me disait, il faut être fier d'être musulman, d'être salafiste. Et à partir de là, il me disait, c'est comme ça qu'il faut s'habiller, c'est comme ça que les femmes du prophète s'habillaient. Le gilbab, c'est une longue tunique qui va du sommet de la tête jusqu'aux chevilles, en ne laissant entrevoir que les yeux. Enda en essaye un. Eh bien, ça lui plaît. Et les voilà en route pour Rouen. Et là, dans la voiture, Bachir lui dit « Au fait, on va passer quelques jours chez mes parents et
Après, on emménagera dans notre appartement. Mais tu comprends, c'est ma mère. Elle a envie de te connaître un peu. Bon, Linda aurait préféré emménager directement, mais si ça fait plaisir à belle-maman... Sauf que chez belle-maman, c'est pas la joie. Les parents ne cautionnent pas les choix de leur fils. La mère tire la tronche et le père passe son temps devant la télé, carré dans son fauteuil, à vociférer contre la terre entière et notamment contre son fils. Mais à quoi tu ressembles? Il y a que des fils de chiens saoudiens pour porter des barbes comme ça. Tu me fais honte! Mais en attendant, Bachir initie Enda aux règles de la vie salafiste. Quand on rentre aux toilettes, par exemple, il faut dire une phrase en rentrant des toilettes, en sortant des toilettes, avant de boire, avant de s'habiller, avant de sortir, avant de conduire, éviter la télé. Ne pas faire rentrer les mécréants chez nous, parce que la télé, c'est les mécréants, donc il fallait pas écouter des informations, il fallait pas aller au cinéma, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique. Je faisais des efforts et il m'expliquait que si plus je faisais d'efforts, plus j'allais avoir des bons points pour le paradis. Et puis il y a les prières. Il pousse les fauteuils, il tire les tapis et il se prosterne, comme le veut la tradition salafiste. Lui, toujours devant elle. Pendant la prière, il ne la voit pas. Il ne faudrait pas qu'il ait de mauvaises idées. Et puis les jours passent, et au bout de 2 semaines, Enda s'impatiente. J'en ai un peu marre d'être ici. Quand est-ce qu'on emménage? Laisse tomber. Il n'y a plus d'appartement. Pardon? Il n'y a plus d'appartement. Tu crois quoi? Lequel de ces mécréants racistes va me louer un appartement, hein? En plus, j'ai pas de travail. T'as pas de travail? Tu m'as menti? Tu m'as dit que tu travaillais dans un magasin d'informatique? Mets-toi à ma place. T'aurais accepté de m'épouser si je t'avais dit la vérité? Et voilà. Elle s'est faite pigeonner par un bon à rien. Et là, pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas ses jambes à son cou? Elle est en France, elle est libre. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Elle s'est mariée, elle est tombée sur un menteur, elle n'a pas eu de peau. Mais c'est comme ça, faut faire avec. Ça se complique quand quelques mois plus tard, le père les fout dehors. Et ça se complique encore quand elle apprend qu'elle est enceinte, de presque 3 mois. Alors c'est elle qui trouve un appartement. Et pourtant ils n'ont aucun revenu, si ce n'est les aides sociales. Bachir fait un peu de blague à droite à gauche, mais sinon rien. Alors maintenant, dans ce nouvel appartement, est-ce que ça va aller mieux? Eh bien non. Bachir est encore plus autoritaire, de plus en plus à cheval sur ses principes salafistes. Les jupes à mimoler, par exemple, qu'elle s'autorise à la maison, à l'abri des regards. Kfit, poubelle! Au 4e mois de grossesse, Enda passe quelques jours à l'hôpital pour des examens. Elle rentre. Elle trouve les étagères vides. Plus aucun livre. Mais Bachir, t'as fait quoi de mes livres? De mes cassettes? Un mécréant les a sûrement ramassés. Tes livres. Les livres, c'est arabe. C'est pas pour nous. Mais c'est mes livres de psycho. Quand je vais reprendre mes études, j'en aurai besoin. C'est fini tout ça. Maintenant, tu vas être mère, tu vas t'occuper de ton foyer. Il m'a fait vivre dans la doctrine salafiste comme au temps du prophète. Ça veut dire quoi, la vie comme au temps du prophète? Eh bien, en fait, on vit de la même façon que vivaient les personnes à l'époque du prophète. C'est-à-dire, ça peut être l'aspect vestimentaire, comme la façon de manger, la façon de vivre, comme à l'époque. Et lui, Bachir, plus le temps passe, plus il est irascible et même agressif. Un jour, alors qu'elle est enceinte, hein, il lui balance un coup de poing dans le ventre, sans conséquence, heureusement. Et Enda accouche le 1er juillet 1999 d'un petit Adam. Et Bachir se détend un peu. Mais quand Adam a 1 an, Enda ose prendre des photos de son fils. Elle le fait en cachette. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait?
C'est à Rame, les photos. Mais vous n'auriez pas pu le faire à la maison, normalement? Non, jamais. Non, non. Qu'est-ce qui serait passé? Il y a eu des disputes à cause de ça. Donc, il y a eu des disputes parce qu'il y a une fois où il l'a su. Et puis, on s'est disputé fort. Mais voilà, Enfin, je ne vais pas tout raconter, mais je m'étais pris une trempe. De toute façon, Bachir a des projets. Il veut faire son hijra. Il veut émigrer en terre d'islam. Et tant qu'à faire, en Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'il met de l'argent de côté. Il le planque dans une boîte à chaussures. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose dans la boîte à chaussures. Parce que l'autre feignasse n'a toujours pas de travail. Et du coup, elle l'a dans les pattes toute la journée. Tu me dis que ma place est à la maison? Mais toi, la tienne, elle est à la maison comme une femme? Elle est où, ta place? Et vlan, il lui balance une beigne, et une autre encore. Bachir, arrête! Je suis enceinte! Eh oui, elle attend son deuxième. Et là, Enda ose aller au commissariat. Et là, le flic lui demande. Vous comptez divorcer? Ben non. Non, je suis enceinte. C'est juste pour lui faire peur. Du coup, le policier en conclut qu'il n'est pas là pour faire peur. Elle porte plainte ou pas? Elle ne porte pas plainte. Eh bien, au revoir, madame. Bien le bonjour chez vous. Enda accouche en mai 2002 d'une petite fille, Cheyema. Et les années passent, et 2 ans plus tard, se profile un troisième enfant. Bachir a toujours un grand poil dans la main, il ne travaille toujours pas, et il rêve toujours de faire son hijra en Arabie Saoudite. Ondelatte raconte sur Europe 1. Attention. Europe 1, Ondelatte raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Enda Ayari, une jeune franco-tunisienne de la banlieue de Rouen qui, à 21 ans, en 1998, se retrouve mariée avec un salafiste, Bachir. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire sur le livre qu'elle a publié il y a 2 ans et que vous retrouverez en livre de poche chez J'ai lu, J'ai choisi d'être libre. Je vous ai raconté le mariage en Tunisie et le retour en France. Quand Enda découvre que son mari lui a menti, il n'a pas de travail, il n'a aucun revenu et l'oblige à vivre chez ses parents qui finalement les mettent dehors. Enda trouve un petit appartement et accouche de son premier enfant, Adam, puis de son deuxième, une petite fille, Cheyema, et assez vite d'un troisième, Ismaël. Et Bachir ne travaille toujours pas. Et pourtant, elle reste avec lui. Elle pourrait le quitter, elle pourrait divorcer. Mais non, car elle craint le jugement d'Allah. J'avais vraiment peur de Dieu. Et il me disait, Dieu sera déçu de toi. Si tu fais ça, tu vas faire un péché pour plaire aux hommes. Et tu dois plaire avant tout à Dieu. Donc c'est vraiment une manipulation mentale qui nous fait culpabiliser. On a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix, en fait. Mais Bachir est chaque jour plus aigri, chaque jour plus agressif. Qu'est-ce qui ne va pas, Bachir? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Faut qu'on parte. Faut qu'on parte dans un pays musulman. L'Arabie Saoudite ou je sais pas moi, les Émirats. En France, il n'y a que des mécréants racistes. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas que je sois obligé de porter la barbe pour ressembler au prophète. Et là, il lui énumère les inconvénients à rester en France. Il les a notés sur un papier. En vivant dans une terre de mécréants, tous nos voisins ou presque sont juifs ou chrétiens, et donc nos ennemis. Car entre eux, ils cherchent des stratagèmes contre les musulmans. En France, si tu ne payes pas la taxe au cimetière, on finit par te déterrer. Pas comme dans un pays musulman. Quand tu meurs en France, on doit te rapatrier, ce qui est très long, pour un mort qui doit prendre le chemin du paradis. Voilà donc ses arguments. Des arguments à la noix. En fait, il rejette les valeurs de la République, il rejette la société. Et tout ce que peut représenter la société française, entre guillemets, mécréante.
c'est à nous, en fait, de nous opposer à nos ennemis et de ne pas concilier, c'est-à-dire de ne pas faire d'efforts pour s'insérer dans la société française. C'est à la société de nous accepter. Mais en attendant, il l'a convaincu. Il a raison. Il faut qu'il parte. Un événement va tuer ce projet dans l'œuf. En décembre 2005, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés, et Bachir apprend que son père veut divorcer de sa mère. Il a trouvé une nouvelle femme. Et ça, Bachir, vous vous en doutez, ça ne lui plaît pas du tout. La suite se déroule la veille de Noël. Bachir et Inda sont en train de faire leurs courses à Carrefour. Le magasin est bondé, on est à quelques heures du réveillon. Mais eux, bien sûr, ils ne fêtent pas Noël. Hein. Noël, c'est pour les mécréants. Et là, au milieu de la foule et au milieu des rayons, Inda tombe sur le père de Bachir, le divorcé. Et naïvement, elle lui propose de venir passer le réveillon de Noël avec eux. Quand Bachir apprend ça... C'est hors de question, tu entends ? Il ne foutra pas les pieds chez moi. Mais Bachir, on ne peut pas le laisser tout seul un soir de Noël. Quoi, Noël ? On n'a rien à foutre de Noël. C'est une fête de couffards, Noël. Mais Bachir, on doit respecter nos parents. Et là, Bachir annonce. T'as qu'à passer la soirée avec lui. Moi, je me barre chez ma mère. Et il disparaît pendant plusieurs jours. Et un jour, il débarque. Il est complètement excité. Et il se jette sur Inda. Et il la roue de coups en lui disant. Je te répudie. Tu vas rester seule comme une chienne, sale clocharde. Je ne reviendrai plus. Et les jours passent. Et il ne revient pas. Il est retourné vivre chez sa mère, plantant là Inda et ses 3 enfants qui n'ont pas un copec pour vivre. Il est parti avec la boîte à chaussures, bien sûr. Et évidemment, ça se sait dans le quartier. Inda s'est fait planter par Bachir. Et un jour, voilà que Bonham débarque Abdel. C'est un copain de Bachir, salafiste lui aussi. Bonjour, t'as besoin d'aide? Si t'as un problème, je suis là pour t'aider. Et patati et patata. Tout ça, bien sûr, sans la regarder dans les yeux, hein, parce que ça ne se fait pas. C'est haram. Sauf qu'à la fin, Abdel, qu'est-ce qu'il veut, d'après vous? Il veut une petite gâterie, bien sûr. Un petit 5 à 7. Il n'y a pas de mal à ça. Alors qu'il est marié et salafiste, bien sûr. Ah, les hommes. Tous les mêmes. Et elle l'envoie bouler. Et elle commence à échafauder un plan. Elle se retrouve sans un sou, avec 3 mômes sur les bras. Alors elle veut récupérer la boîte à chaussures et son contenu. Mais pour ça, il faut que Bachir revienne. Au moins quelque temps. Alors elle fait une tentative de suicide. Rien de sérieux, hein. Elle avale des médicaments, petit passage aux urgences, lavage d'estomac, et ça marche. Bachir est de retour, terrorisé par le geste de sa femme. Et du coup, il est aux petits soins. Il ne veut pas perdre sa place au paradis. Mais ça ne dure pas. Il se remet à l'insulter, à l'agresser. Mais elle, elle a son plan. D'abord en cachette, elle a trouvé un HLM à Canteleu, là où elle a grandi. Et un matin de l'hiver 2006, Bachir est au consulat d'Arabie Saoudite, il prépare sa hijra. Inda appelle un taxi. Elle prend ses enfants sous le bras. Et elle prend surtout la boîte à chaussures. Vous savez combien il y a dedans ? 20 000 euros en liquide. Et elle file à Canteleu. Et elle est libre maintenant. Elle reste musulmane, elle est toujours croyante, mais elle est libre. Aujourd'hui, je vis ma spiritualité encore plus intensément qu'avant, parce que, quelque part, j'ai repris le contrôle de ma vie et de moi-même, de mon esprit.
C'est ça qui est important, c'est que j'ai réussi à me libérer des chaînes mentales. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme libre, je me considère comme libre parce que mon esprit est libre. Voilà donc pour ce récit, Hinda Ayari est là face à moi. J'ai pas dit de bêtises, ça va? C'est fidèle en tout cas à votre récit, dans votre livre. Ça va très bien. Est-ce que c'est dur d'entendre raconter sa vie comme ça? C'est assez troublant de vous entendre raconter ce que j'ai vécu, parce que j'ai revu les scènes et c'est pas évident. Si on va sur Twitter à cette heure-ci, on trouve des tas de gens qui disent que vous mentez, que vous êtes une inventeuse, que vous inventez tout ça, que rien de tout ça n'a jamais existé. Pas plus d'ailleurs qu'il n'y a eu de viol contre vous de Tariq Ramadan. Tout ça est mélangé. On a dit qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas. C'est votre vie depuis la sortie de ce livre, ça? Être soupçonnée d'être une mystificatrice? Tout à fait. Dès le départ, quand j'ai partagé les deux photos de moi sur ma page Facebook avec le voile et sans le voile, dès le départ, j'ai reçu des messages d'insultes, des messages de menaces. J'ai été traitée de menteuse. Donc, au début, c'était très dur. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que ces gens n'étaient pas importants. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais qui je suis. Et je sais que tout ce que je raconte est vrai. Et ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais au fond, vous étiez plus heureuse quand? Quand vous étiez avec le voile, quand vous ne l'avez plus, mais que vous avez la moitié de la planète sur le dos qui vous insulte et qui ne croit pas à ce que vous dites? Les seuls moments où j'ai été vraiment heureuse, c'est avec mes enfants. Vraiment, mes enfants, c'est mon moteur, c'est la cause, c'est grâce à eux que j'ai réussi à trouver la force de changer de vie. Et puis vous savez, quand vous prenez des décisions et que vous rentrez pas dans les cases qu'on veut vous imposer, que ce soit à cause des traditions, de la religion ou même dans la société, eh bien forcément vous êtes jugé, vous êtes critiqué, vous êtes voilà. Mais c'est le jeu. Il faut l'accepter. Et puis il faut savoir pourquoi on prend ces décisions, pourquoi on avance. Et mon but, c'est vraiment de trouver mon bonheur avec mes enfants et continuer ma vie et avoir un meilleur avenir que mon passé. On va marquer une pause de publicité. Il y a une chose que je veux vous dire avant ça. Si nous avons raconté votre histoire, c'est parce que nous la croyons. A tout de suite. On de la raconte sur Europe 1. Europe 1. On de la raconte. Je vous ai raconté il y a une minute l'histoire de Hinda Ayari telle qu'elle la raconte elle-même dans son livre « J'ai choisi d'être libre » actuellement chez J'ai lu, publié initialement chez Flammarion. Et j'ai mis au tout début de l'histoire Hinda Ayari, et je voudrais savoir si vous retenez cette hypothèse, une hypothèse, que votre mère vous disant « tu vas finir comme une débauchée ma fille », en fait ce qui est le tout début de l'histoire, c'est la volonté de lui montrer que vous ne serez pas une débauchée. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus opposé à une débauchée qu'une femme qui porte le voile? Tout à fait. C'est ça? Oui. Et vous voulez lui prouver, parce que quand elle dit débauchée, elle pense à quoi, elle? Pour elle, les femmes européennes, occidentales, qui ne portent pas le voile, ce sont des femmes débauchées. Oui. Donc elle est assez classique, votre mère, quand même. Oui, et pourtant, elle ne portait pas le voile. Elle-même? Non. Mais elle est dans la tradition. C'est ça. Elle s'inscrit vraiment dans la tradition. Et au fond, c'est un signe que vous lui envoyez. Tu vois, maman, enfin, c'est aime-moi, regarde, je porte le voile. Oui, je recherchais son amour, parce que j'ai été un enfant maltraité par ma mère, parce que ma mère, elle a vécu un mariage forcé avec mon père. Et ça a été très dur pour elle de quitter sa Tunisie natale. Et quand elle est arrivée en France, pour elle, la France, c'était l'endroit où les gens n'étaient pas
n'était pas de son monde. Et donc la seule chose qu'elle voulait, c'était retourner dans son pays et me ramener avec elle. Et à cause de moi, elle a dû rester en France parce que mon père ne voulait pas que je retourne avec elle en Tunisie. Mon père lui disait, ma fille est française et elle le restera. Mmh. Et donc elle a attendu que je sois majeure pour justement m'emmener en Tunisie, là-bas, et faire ce qu'elle-même avait vécu, un mariage forcé. Donc en fait, elle a fait un transfert. Il y a un premier paradoxe, parce qu'au fond, elle veut vous faire le mal qu'elle a elle-même vécu. C'est ça. En fait, moi, j'ai analysé cette situation de longues années après, parce que je ne comprenais pas pourquoi ma mère était aussi dure avec moi. Elle faisait une fixation sur la virginité. Pendant toute mon enfance, elle me disait que si je perdais ma virginité, on allait me tuer, que j'allais déshonorer l'honneur de la famille. Donc moi, j'avais très peur des hommes, du regard des hommes sur moi. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. Et finalement, le voile a été la solution, puisque j'étais seule en France, je faisais mes études et je voulais concilier la vie d'une femme musulmane avec la vie d'une femme moderne qui fait des études. Et je voulais aussi prouver à ma mère qu'elle se trompait sur moi. Mais il y a quand même un paradoxe, parce que si vous refusez ce mariage arrangé par votre mère, c'est parce que vous êtes une Française moderne. Et bien qu'étant une Française moderne, vous allez vous jeter dans l'archaïsme. Mais en fait, moi, j'étais prise. Mais on fait pas toujours. On voit pas toujours clair dans la vie au moment où on fait les choses. Mais en fait, j'étais prise entre deux chaises parce que j'étais née en France, j'avais une culture française et cette tradition. Alors c'était un mélange de religion et de tradition. Et je voulais aussi plaire à ma mère et prouver à ma mère que sa fille, c'est pas parce qu'elle est née en France et qu'elle est de culture française qu'elle n'est pas arabe. Parce que ma mère me disait, mais nous sommes des Arabes. Et donc c'est vrai que moi, je recherchais mon identité. Je savais pas trop qui j'étais. Je savais pas si j'étais arabe, musulmane, française, tout ça c'était compliqué pour moi. Donc je recherchais vraiment mon identité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai trouvé l'islam, je me suis trouvé une famille, je me suis trouvé une communauté, je me suis dit finalement je vais enfin ressembler à d'autres personnes qui vont m'accepter, puisque je me sentais rejetée par ma propre famille. Et dans votre esprit, ça n'était pas contradictoire avec l'idée d'être une Française moderne, c'est-à-dire vous pensiez qu'on pouvait être moderne et porter le voile. Tout à fait. C'est pour cela que je voulais continuer mes études tout en portant le voile. Je voulais prouver à ma mère que sa fille n'était pas une débauchée. Et puis, mon rêve, c'était de devenir quelqu'un, c'était d'avoir un vrai métier, de devenir juge pour enfants. Et je voulais aussi concilier cette vie de fille musulmane avec une vie professionnelle. Et finalement, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait comme ça parce que sans doute, ça n'était pas facile. D'ailleurs, au fond, la République ne vous aurait pas permis de vivre cette... Vous n'auriez pas pu devenir juge avec un voile. Mais sur le moment, vous n'y voyez pas clair. C'était très difficile à cette époque. Je sortais d'une enfance difficile et je devenais une jeune femme, puisque je sortais de l'adolescence. Et c'est vrai que c'est à cette période-là où souvent les jeunes filles qui se cherchent leur identité quand elles ont des failles affectives, elles ont un manque de confiance en elles. Et ben finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut facilement être piégé par des personnes qu'on m'a présenté comme des salafistes. Ça peut être d'autres personnes qui vont tomber dans la drogue, ça peut être des filles qui vont, comme dans une secte en fait, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah. À cette période, on est plus fragile quand on sort de l'enfance, et c'est pour cela que moi j'ai décidé d'en parler, parce que je me dis peut-être que d'autres jeunes filles vont pouvoir comprendre mon histoire et s'identifier à moi, et puis prendre les bonnes décisions. Alors moi j'ai noté que c'est pas un homme qui vous amène sur les chemins du salafisme, c'est une femme, Asnia. Vous savez ce qu'elle est devenue, celle-là ? Oui, j'ai su que Asnia, quelques années après, a divorcé et a retiré son voile intégral pour travailler. Mmh. Voilà. Contrainte et forcée ou ayant fait du chemin comme vous ? Je pense que elle a dû faire son chemin comme moi et vous savez, souvent quand vous retombez dans le système, on va dire dans le travail, vous réinsérez, souvent c'est parce que vous avez vécu un divorce, parce qu'en fait quand on est une femme seule avec des enfants, on peut pas passer sa vie à vivre avec les aides sociales, ou alors il y a d'autres femmes qui décident de se remarier, beaucoup, certaines qui ont peur justement de retourner dans le système, comme on dit, de travailler, de se prendre en main, eh bien, elles préfèrent trouver un mari qui pourra subvenir à leurs besoins. Voilà, exactement. Continuer au fond l'histoire et faire d'autres enfants. Exactement. Comment ça se fait que vous acceptiez le mariage avec Bachir, parce que ça ressemble à un mariage arrangé. Enfin, c'est à peu près exactement ce que vous avez refusé à votre mère un an plus tôt. C'est-à-dire vous marier avec quelqu'un que vous connaissez pas, qu'a priori vous n'aimez pas. Et là aussi, j'ai mis une hypothèse qui est présente dans votre livre. Il est beau.
moyen, finalement. C'est pas vraiment... C'est pas un choc physique. Non, pas du tout, loin de là d'ailleurs. Parce qu'en fait, moi quand j'étais pas d'accord pour me marier avec lui, bon, c'était un homme barbu, alors c'est vrai qu'il y avait... dans ma tête, j'idéalisais beaucoup l'image du prophète Mohamed, et je me disais, il ressemble au prophète Mohamed, alors il veut lui ressembler physiquement, c'est que forcément, il va essayer de lui ressembler moralement, il va essayer d'être gentil avec moi, il ne me fera pas de mal. Donc il y avait aussi cette recherche de protection, d'avoir un protecteur entre guillemets et un professeur aussi qui allait m'enseigner la vraie religion, puisque moi j'étais en quête de réponse, je venais de découvrir l'islam et j'avais besoin d'apprendre cette religion. Mais c'est surtout parce que j'avais peur de la société, parce que ma mère m'avait dit tu finiras débauchée, tu finiras violée. Alors, c'est vrai que finalement, je me suis dit peut-être que pour être tranquille, parce que ma mère me mettait aussi la pression avec cette histoire de virginité, je me suis dit pour que ma mère cesse elle me faisait un chantage affectif parce qu'elle passait son temps à m'appeler et à pleurer en disant que sa fille finirait violée, que sa fille était en France et que c'était un pays de pervers, que les hommes étaient tous des pervers. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit pour avoir la paix, eh bien je vais fonder une famille et puis peut-être que c'est mon destin après tout. Voilà, donc je me suis résignée à ça. Après tout, à part ça, vous l'étiez, vierge ? Tout à fait. J'avais même fait faire un certificat de virginité pour le donner à ma mère juste avant le mariage. Waouh ! Enda Ayari, j'ai choisi d'être libre. L'histoire que j'ai racontée aujourd'hui est tirée de votre livre dans la collection J'ai lu. Une petite pause et on revient pour parler de Bachir. Europe 1. On de la traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Enda Ayari, telle qu'elle la raconte elle-même dans un livre qui s'appelle « J'ai choisi d'être libre », qui a été publié à l'époque, il y a 2 ans, chez Flammarion, qui aujourd'hui est dans la collection « J'ai lu ». C'est l'histoire d'une jeune fille de Normandie qui tombe dans les griffes d'un mari salafiste. Vous y êtes resté 9 ans dans ces griffes avant de vous en libérer. Bachir, c'est donc le nom de ce mari qui vous a fait plonger là-dedans. Moi, j'ai émis quand même une hypothèse, j'espère que dans le récit tout à l'heure, vous l'avez entendu, mais en France, c'est ce qu'on appelle un bon à rien. Alors peut-être déguisé en salafiste par ailleurs, mais à part ça, il a essentiellement un poil dans la main, il n'a strictement aucune intention de travailler, et il cherche tous les prétextes, au fond. C'est-à-dire qu'il dit « j'ai pas d'appart parce que ces couffards m'en loueront jamais parce que je porte une barbe », alors qu'il y a des tas de gens qui ont une barbe, qui sont salafistes et qui ont quand même un appartement. C'est un bon à rien. Oui. Il était souvent dans la victimisation et la cause de tous les problèmes, c'était les mécréants, c'était les Français qui étaient racistes et donc pour lui la seule issue c'était de quitter ce pays, mais avant il fallait faire beaucoup d'argent par tous les moyens, donc profiter des aides sociales, travailler au noir, de temps en temps il travaillait en intérim. Mais c'est vrai que il y avait cet espoir d'Eldorado, ce rêve de trouver un pays musulman où on allait pouvoir s'épanouir. Il me disait là-bas, tu pourras sortir, tu pourras aller au restaurant, contrairement à ici, parce que ici c'est mixte. Et c'est vrai que moi, je me disais, voilà, il n'y a que là-bas où je pourrais être heureuse. Et finalement, j'ai patienté ici. Je pensais vraiment. Et quand j'ai vu que tout ce qu'il me racontait ne correspondait pas à ce que je lisais dans les livres, le bon comportement d'un homme avec son épouse, il y avait des choses qui n'étaient pas logiques, parce que moi j'avais gardé un esprit critique, je posais souvent des questions, et il me le reprochait, il me disait, mais tu vas arrêter de poser des questions. Mais son salafisme à lui, au fond il se nourrit de quoi? Est-ce qu'au fond il n'a pas trouvé lui aussi, dans le salafisme, quelque chose qui a rapport avec son enfance, sa jeunesse, le fait qu'il a un gros poil dans la main, qu'il ne veut pas se remuer les fesses, qui prête probablement qu'adolescent, 15-16 ans, il a dû tenir les murs de sa cité pendant un certain temps, en faisant strictement rien, je me trompe ou pas? En fait, comme beaucoup de jeunes, il a grandi dans un quartier de Rouen, et puis c'était un petit peu l'enfant roi,
vous savez, dans les familles de tradition musulmane, souvent le garçon, il est considéré comme un petit roi. Les filles sont là pour servir le frère. Souvent, c'était ça. Donc, c'était le chouchou, le petit chouchou de sa maman. Et donc, à chaque fois, il me reprochait de pas me comporter comme sa maman. Il me disait, mais ma mère faisait comme ça, ma mère. Et il me comparait toujours avec sa mère. Et donc, il voulait, quelque part en moi, il recherchait sa mère. Et donc, moi, je faisais tout pour le servir, pour cuisiner aussi bien que sa mère. Je m'habillais comme il le voulait, mais c'était jamais assez suffisant. À chaque fois, il en voulait toujours plus et il était jamais satisfait. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire de plus ? Qu'est-ce qu'il est devenu, lui ? Parce que vous avez 3 enfants en commun. Ben, en fait, pas du tout. On se voit plus du tout. Ce que je sais, moi, c'est que après mon divorce, moi, j'ai appris qu'il était fiché S, qu'il avait des fréquentations extrêmement dangereuses durant notre mariage. Je n'étais même pas au courant. J'avais été convoquée pour par rapport à tout ça. Et ensuite, voilà, j'ai su qu'il s'était remarié avec une femme qui l'a fait venir de Tunisie. Il a d'autres enfants. Depuis qu'il s'est remarié, il n'a pas cherché à revoir ses enfants, pas du tout. Il a fallu que je fasse des démarches auprès de la justice pour avoir une pension alimentaire. Il a organisé son insolvabilité en disant qu'il ne travaillait pas. Or, il avait fini par trouver un travail et j'avais droit à une pension alimentaire. Donc, il est devenu chauffeur de bus à Lyon. Voilà. Vous avez créé une association, on va essayer de positiver un peu en fin d'interview, qui s'appelle Libératrice. C'est une association pour les autres femmes comme vous. C'est ça. Mais il y en a beaucoup. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fondé une association suite à mon licenciement, parce qu'en fait, il faut le dire, moi j'ai été licenciée, je travaillais comme greffière, moi j'avais un rêve, c'était de devenir fonctionnaire et travailler dans la justice. Donc j'ai intégré le ministère de la Justice en 2012, puis à la fin de ma formation, j'ai été licenciée pendant mon arrêt maladie. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment... J'ai vraiment subi ça comme une grande injustice, parce qu'il n'y avait aucune raison de me licencier. J'avais fait aucune faute grave et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Finalement, j'ai l'impression que la société me rejette, que ne veut pas de moi malgré mes efforts, malgré le fait que j'avais quitté le salafisme. Et donc, j'ai décidé de fonder cette association pour aider les femmes victimes de discrimination, les femmes qui se retrouvent seules avec des enfants, qui ont envie de se reconstruire comme moi. Et finalement, cette association, elle vient en aide à toutes les femmes, quelle que soit leur religion. Pas seulement aux femmes musulmanes qui ont le même passé de femmes radicalisées que moi, même si elles sont nombreuses, ces femmes, à me contacter, parce que en fait, ces femmes, quand vous êtes une femme salafiste, vous avez peur de la société, vous avez peur de frapper à la porte d'une assistante sociale, parce qu'on vous dit que ce sont des mécréants. Et finalement, le fait qu'il y ait une association comme la mienne, ces femmes, elles savent que je suis passée par ce chemin-là et que je peux les comprendre. Donc en fait, je fais l'intermédiaire entre la société, entre les professionnels, les services sociaux et ces femmes, qui parfois sont des femmes battues. Donc j'ai une équipe d'avocats avec qui l'association a une collaboration où on peut aider des femmes à trouver des avocats si elles ont besoin de déposer des plaintes, de faire des procédures en justice. On peut les aider à trouver des logements, on peut les aider à se reconstruire. Et donc cette association, elle est très engagée. Et donc voilà, j'espère que des femmes vous contacteront. De votre site internet, puisque vous avez un site, c'est libératrice@.fr. Donc c'est pas voilà. Alors pas le difficile. Site, il est en cours de construction parce que pour l'instant on n'a toujours pas de moyens. On prépare des demandes de subventions et j'espère m'investir et m'engager longuement pour cette association et pour aider les femmes dans leur reconstruction. Merci Hinda Yari. Je rappelle le titre de votre livre, J'ai choisi d'être libre, qu'on trouve actuellement chez J'ai lu au prix de 7,20 €. Merci beaucoup. Demain je vous raconterai, vous voyez qu'on fait des choses très différentes dans cette émission, demain je vous raconterai l'enfance de Jacques Chirac.